heureuse de vous avoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BSI TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. En visite à Kisangani, le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu plusieurs personnalités de la province de la Tchopo, notamment Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO. Les deux personnalités ont parlé, entre autres, des élections. Et puis, poursuite du procès des présumés miliciens Kamina Sampou au Kassai, le tribunal militaire de garnison de Kanangai est passé à la projection à huis clos du film retraçant la scène de crime d'assassinat de Sharp et Catalan, deux espères onusiens tués le 12 mars dernier dans cette province. La vidéo confirmait donc la participation du prévenu Ilunga Lumu dans la scène du crime. Et enfin, 3 ans de prison requis contre Théodorin Obiang par le ministère public français dans l'affaire des biens mal acquis. Le fils du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema et vice-président de la Guinée équatoriale devra aussi payer 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens devront être confisqués. Arrivé à Kisangani le mardi 4 juillet dernier, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a reçu plusieurs personnalités de la province de la Tchopo pendant son séjour. Ainsi, pour parler élections, il a notamment reçu Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo SANCO et archevêque de Kisangani. C'est à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que Monseigneur Outembi a déclaré que le président de la République n'a cessé de confirmer qu'il y aura les élections en RDC. Par ailleurs, le chef de l'État congolais a échangé avec les membres du comité provincial de sécurité et les députés provinciaux. Il a demandé aux élus députés d'œuvrer pour le développement de la province pour l'intérêt public. De leur côté, les notables de la province de la Tchopo ont fait savoir au chef de l'État par le biais de leur porte-parole Jean-Stanis Bilanga les difficultés auxquelles ils font face à cause de la mésentente entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Ces notables de la Tchopo ont demandé au chef de l'État d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour résoudre ce problème. Cependant, pour mettre un terme à son séjour à Kisangani, Joseph Kabila a également reçu le gouverneur de province et les responsables des services publics, ainsi que ceux des entreprises chinoises de construction présentes dans la ville de Kisangani. C'est donc en fin de journée de mercredi 5 juillet que le président de la République s'est rendu à Kindu, dans le Maniema. Au cours de l'audience de mercredi 5 juillet, le tribunal militaire de garnison de Kananga est passé à la projection du film retraçant la scène du crime d'assassinat de Michael Sharp et Maria Zaïda Catalan, deux Onusiens tués le 12 mars dernier dans le Kassai. Seule la composition du tribunal, les avocats de la défense, les prévenus ont été autorisés d'accéder dans la salle de projection. Un huis clos avait donc été décrété par le tribunal. Selon certaines indiscrétions, la vidéo confirmait la participation du présumé Ilunga Lumu, dit le Bogard, dans la scène du crime. Dans ses explications qui ont suivi la projection de la vidéo, le ministère public a expliqué le déroulement de cette scène tout en considérant que la défense n'aura plus d'arguments solides. Tout le monde était là, KO. C'est comme ça qu'ils doivent montrer qu'ils défendent leurs clients. Mais s'il vous était autorisé de voir ces images, mes larmes ont coulé. Ce qu'on a vu là, humainement, les gens ne peuvent pas se comporter comme ça. Ce sont des crimes de guerre par meurtre et crimes de guerre par mutilation. On commence à dépecer un homme comme on dépece un animal. Mais frère, dans la culture kassaïenne, ça n'existe pas. Donc nous avons terminé. Il reste la dernière prévention, crimes de guerre par mutilation. La défense, quant à elle, a exigé à ce que l'organe de la loi fixe les tribunaux sur la source de provenance de la dite vidéo. Mais elle reste sereine. Je continue à dire que la défense est sereine. Et on estimait que comme le ministère public tout au long de l'instruction nous renvoyait à la vidéo et on croyait être convaincu avec cette projection d'aujourd'hui. Mais malheureusement pour le ministère public, heureusement pour la défense, rien de spécial n'a filtré sur la vidéo. Ce qui montre que, jusqu'à preuve du contraire, le ministère public n'a pas encore convoqué la juridiction avec les éléments probants pouvant emporter la conviction du juge. Cependant, la défense estime que l'organe de la loi, qui est le ministère public, n'est pas convaincant jusqu'à ce jour. La population de la base de la MONUSCO dans les territoires des Masisi au Nord Kivu inquiète les habitants de cette contrée.
Après cette fermeture, la population de Massissi s'est dit en insécurité car ces vides risquent de profiter aux groupes armés. Car les grands défis qui guettent les territoires de Massissi, c'est d'abord la présence des groupes armés. Du côté de la Monisco, une délégation est arrivée à Massissi depuis lundi dernier pour expliquer le bien fondé de la fermeture de cette base de la mission onusienne. Cependant, pour suppléer à ces départs, la Monisco a mis en place des dispositifs qui devraient permettre la mobilité de ses troupes. Toujours dans la même optique de maintenir la sécurité à l'intérieur du pays, la Convention pour le respect des droits de l'homme du Nord Kivu en appelle à l'autorité de l'État pour sécuriser les personnes et leurs biens. Elle déplore cependant l'activisme de groupes armés qui rend difficile la vie des habitants des Lubero. La Commission européenne a annoncé une aide humanitaire de 5 millions d'euros en faveur de nombreuses personnes qui ont un besoin urgent d'aide dans la province du Kasaï en proie à des violences meurtrières depuis plusieurs mois. Selon les commissaires européens chargés de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, cette somme aidera pour la toute première fois dans cette région leur partenaire humanitaire à répondre aux besoins les plus urgents de personnes touchées par les conflits. Cependant, après plusieurs sanctions des responsables congolais par l'Union européenne, ces derniers, aujourd'hui, s'est dit très préoccupés par la crise humanitaire qui sévit actuellement au Kasaï. Chose qui paraît contraste. La demande du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour une célébration dans la méditation du 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC a aussi été respectée dans le Kasaï oriental. Ainsi, le gouverneur de cette province, Alphonse Ngoy Kasangi, s'est rendu le week-end dernier à la paroisse Sainte-Marie, à Mbujimayi, pour un moment de méditation dans la prière. C'est de cette façon que le Kasaï oriental a commémoré les martyrs de l'indépendance, les héros qui ont combattu au péril de leur vie pour l'amour de la nation, mais aussi rendre hommage à toutes les victimes du mouvement terroriste Kamuina Nsapu. 30 juin 2017 est un moment privilégié et indiqué de saluer l'action politique de ces vaillantes filles et vaillants fils qui, au prix de grands sacrifices allant jusqu'à la mort, comment ne pas se souvenir non seulement de nos martyrs, mais aussi de nos héros anonymes tombés au front pour la défense de la mère patrie. Je voudrais de façon singulière saluer la mémoire de nos frères et sœurs victimes du mouvement terroriste Kamuina Nsapu, notamment le chef de groupement de Benampunga, M. Kalala Mukendi Wamuzemba, tué alors qu'il avait décidé de ne pas faire allégeance à la milice. Alphonse Ngoy Kasangi a appelé la population de se consolider pour vivre dans la paix et la tranquillité car le développement de la province du Kasaï oriental dépend d'elle. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2016-2017 est attendue ce jeudi 6 juillet 2017. À l'issue de cette édition, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena Bongala avait promis aux élèves finalistes la publication des résultats en deux semaines après la fin des épreuves dans la mesure où son ministère avait pris toutes les dispositions nécessaires pour élever ces défis. Le ministre tient alors à pérenniser la tradition lui léguée par son prédécesseur Kermwangu. Signalons toutefois que les élèves de province de l'espace kasaïen n'ont pas participé aux épreuves d'État comme leurs collègues d'autres provinces, suite à l'insécurité occasionnée par les forces négatives de l'ex-chef coutumier Kamuina Nsapu. À cette question, le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena Bongala, a réaffirmé que ses finalistes prendront bien part à cet examen à partir du 20 juillet de l'année en cours. 3 ans de prison requis contre Théodorin Obiang par le ministère public français dans l'affaire de biens mal acquis. Le fils du président équato-guinéen Théodore Obiang-Guema et vice-président de la Guinée équatoriale devra aussi payer 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens devront être confisqués. D'après le parquet parisien, Théodorin Obiang est le premier à être jugé dans les affaires de biens mal acquis car son cas ne présente aucune difficulté pour le délit de blanchiment. Le concerné a été
absent lors de ce réquisitoire à Paris. Pour rappel, Théodorien Obiang est jugé pour le bien mal acquis en France qui s'élevait à 150 millions d'euros. Les voitures, les appartements, les vêtements et les bijoux ont constitué son investissement. Les flux financiers de tout cet investissement provenaient, selon la justice française, des comptes d'une société forestière détenue par le ministre de l'Agriculture équato-guinéen qui n'est autre que Théodorien Obiang. Un détournement massif de fonds publics équato-guinéens a dénoncé le parquet parisien. Ce journal est à présent terminé. Voici le rappel des titres. En visite à Kisangani, le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu plusieurs personnalités de la province de la Tchopo, notamment Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO. Les deux personnalités ont parlé entre autres des élections. Et puis, poursuite du procès des présumés miliciens Kamina Sampou au Kasaï, le tribunal militaire de garnison de Kanangaï est passé à la projection à huis clos du film retraçant la scène de crime d'assassinat de Sharp et Catalan, deux espères onusiens tués le 12 mars dernier dans cette province. La vidéo confirmait donc la participation du prévenu Ilunga Lumu dans la scène de crime. Et enfin, 3 ans de prison requis contre Théodorien Obiang par le ministère public français dans l'affaire des biens mal acquis. Le fils du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema et vice-président de la Guinée équatoriale devra aussi payer 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens devront être confusqués. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Bienvenue mesdames, messieurs, à cette revue de presse des journaux en ligne de ce jeudi 6 juillet 2017. Le séjour du chef de l'État à Kisangani, rencontré chez Okitunu Mogherini et le succès diplomatique de la RDC à Addis Abeba, voilà les sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui titre « En visite à Kisangani, Joseph Kabila a parlé des élections avec le président de la SENCO ». En séjour à Kisangani, le chef de l'État congolais Joseph Kabila a reçu mercredi 5 juillet plusieurs personnalités de la ville et de la province de la Tchopo. Il a notamment reçu Mgr Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et archevêque de Kisangani. Les deux personnalités ont notamment parlé des élections. Nous avons parlé élections, les élections auront lieu, ce n'est un secret pour personne, tout le monde parle élections. Et je crois que le président de la République, à son niveau aussi, n'a cessé de dire qu'il y aura les élections, a déclaré Mgr Outembi après sa rencontre avec Joseph Kabila. Sur les autres questions abordées avec le chef de l'État, Mgr Outembi a fait savoir qu'elles ne pouvaient pas être révélées maintenant, car, a-t-il renchéri, c'est une affaire entre deux autorités importantes, le président de la République et le président de la SENCO. La SENCO ayant conduit la médiation des négociations directes pendant 3 mois, il est tout à fait normal qu'il y ait le suivi par rapport à la mise en œuvre de ce document important, a indiqué le président de la SENCO, faisant allusion à l'accord du 31 décembre 2016 signé entre le pouvoir et l'opposition. Le chef de l'État congolais a également discuté avec les membres du comité provincial de sécurité et les députés. Le président de la République a demandé aux élus d'œuvrer pour le développement de la province pour l'intérêt public. Le site d'information actualité.cd écrit à sa une « Élections, sanctions et enquête au Kasaï » au menu des discussions entre Okitundu et Mogherini. La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères congolais, Léonard Che Okitundu, et la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, a tourné autour de la situation des relations entre la RDC et l'Union européenne, renseigne les communiqués émis par le Bureau d'action extérieure de l'Union européenne. Différentes questions ont été abordées au cours de cette rencontre, notamment les questions liées à l'organisation des élections ainsi que l'enquête sur l'assassinat des experts des Nations Unies. Il faut également ajouter à cette liste la question des sanctions de l'Union européenne contre les officiels congolais quand on sait que la RDC a bénéficié du soutien implicite de l'Union africaine au cours de son tout dernier sommet. La question des sanctions européennes contre les officiels a également été évoquée. Léonard Che Okitundu avait annoncé avoir dit à la haute représentante de l'Union européenne qu'il ne fallait pas sous-estimer la capacité de la République démocratique du Congo à répliquer. Quant à l'enquête sur l'assassinat des 2 experts de l'ONU et sur les violences dans les Kasaï, Mogherini a indiqué que la RDC devrait coopérer pour permettre de faire la lumière. Bouclons cette revue de presse avec Congo Panorama qui titre
la cause congolaise a triomphé à Addis Abeba. Succès fulgurant pour la diplomatie congolaise au 29e sommet de l'Union africaine où toute une série de déclarations ont été faites, faisant écho du triomphe de la cause de la RDC, devenue centre de gravité du cyclone impérialiste par la complicité d'une partie de sa classe politique avec les néocolonialistes invétérés, obstinés et sans scrupules, écrit le site du groupe BC. Durant les travaux qui se sont déroulés du 3 au 4 juillet courant, toute l'Union africaine, les membres de son comité exécutif et Alpha Condé, son président en exercice, ont, tour à tour et solennellement, vilipendé l'émission à ralenti impérialiste de ceux qu'ils ont nommés des individus européens prétendus lobbyistes. Une émission qui s'est traduite par des sanctions ciblées et louches contre les quatre civils et militaires du régime Kabila et par toute kyrielle d'injonctions politiques servant les intérêts non pas des Congolais mais des lobbyistes américains, tout comme européens, de même leurs complices congolais notoires et opérationnels dont des structures fantoches et conjoncturelles éparses et bien identifiées. En effet, pour l'Union africaine qui a été très formelle, c'est inacceptable que les responsables d'un pays membre de l'ONU et de l'UIA soient sanctionnés par des individus européens soi-disant lobbyistes. L'Union africaine dénonce avec la dernière énergie les sanctions unilatérales injustes imposées aux États et aux citoyens des États membres de l'UIA. De leur côté, les membres du comité exécutif de l'Union africaine ont martelé en ces termes « Nous rappelons la nécessité de respecter les principes de non-ingérence dans les affaires internes des États conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine. » Ils entendaient ainsi montrer leur strict attachement au principe sacré de l'égalité entre États et même des Nations Unies. Lors du discours de clôture, Alpha Condé, président de l'UIA, a fait savoir que les Africains ne vont plus accepter qu'on leur donne des ordres. Les États africains sont devenus majeurs et capables de trouver des solutions à leurs problèmes. Au demeurant, quatre succès diplomatiques engrangés par la délégation congolaise au sommet méritent d'être notés. 1. La condamnation par l'UIA des sanctions ciblées infligées à ses membres. 2. Les félicitations adressées à la République démocratique du Congo pour ses efforts contre les violences sexuelles. 3. Les soutiens unanimes apportés à l'Afrique à la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2018-2020. Élection prévue en novembre 2017 et 4. L'élection d'un Congolais, notamment le professeur Rémy Ngoy, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 4 ans. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une, Kabila pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le réconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore, les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections à peser, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.